Alors, cette œuvre a été spécialement conçue pour Santa Maria della Scala, en correspondance par rapport à son histoire. Donc, l'œuvre est intitulée Le Panacée du Bonheur. Ce type de courge, on l'utilise en Chine traditionnellement comme boîte de médicaments. Voilà. Mais en même temps, la forme de ces courges évoque dans l'esprit des Chinois le trésor. Le trésor qui soigne toutes les maladies. Voilà. Donc le panacée du bonheur. Donc sur les courges, il y a des inscriptions, des calligraphiques. La signification, c'est l'harmonie, la beauté, etc. Donc pour moi, ce sont les clés du bonheur.